Hola, 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 mes glaces. Alors là, je vais à la gare. Et aujourd'hui, on va voir Lou pour Molière, l'Opéra Vivant. Je pense pas que je pourrais filmer un peu la comédie et tout. Mais je vlog quand même. Et vous aurez mon avis. Et puis, si j'ai une photo avec Lou, vous saurez aussi. Voilà, j'ai mon gros sac et tout. J'ai même plus ça à passer, mais t'inquiète. Les gars, j'avais oublié de dire, c'est mon anniversaire. It's my birthday, hello! Du coup les gars, je vous raconte rapidement, j'ai failli arriver en retard et tout, et là ça a pas commencé donc je suis trop contente. Du coup j'ai pas loupé et je vais pouvoir voir Lou, genre, elle va être trop trop belle. D'ailleurs je crois que c'est la fois où je suis la plus loin de voir Lou. Et en fait genre j'avais genre 5 minutes de retard et après aller. Du coup on a marché super vite et tout avec Sarah. Et maintenant je suis in, du coup j'ai trop hâte. Et c'est pas commencé donc je suis trop contente. Et j'ai été upgrade, du coup j'ai une meilleure place. Attendez, je vous montre la vue. Il cherche son fils Jean-Baptiste Bouclin précisément. Il est le père de celui qui se nommera Molière. J'ai découvert les prémices de ma passion. Le décor et son envers sont devenus mon obsession. Mon père a tout réglé. Non, il ne me laissera pas le choix. Du roi, je serai capricé. Quel honneur pour un bourgeois. Mais moi, je ne veux pas de ce brillant cas à venir. Je veux avoir le choix de ce que je veux devenir. Finira par tomber. Des emprunts, je vous arrête par ordre du tribunal civil du Châtelet. Jusqu'au règlement de la caution, vous serez incarcéré. Changer tout ça, hein, parce que c'est vraiment la chouma. Ok,
qu'est-ce qu'ils ont encore tous ces voleurs à se marrer? Monsieur, c'est peut-être à cause de votre façon de vous exprimer. Ben quoi, je suis branché. Bon, j'espère que ces bouffons vont assurer, sinon tous les rageux de la cour vont encore trop kiffer. Allons les écouter. Que ce don à sa mère était le plus fatal. Évanescente, tapis dans un coin de mon imaginaire. De ma naissance, on ne m'a rien dit. Puis un jour, ma mère m'a écrit. Elle m'a appris que j'étais l'illégitime enfant d'une comédienne et d'un chambellan. Et genre, elle est trop belle et genre, j'adore ce rôle. Du coup là je reste là. Ouais, tellement il fait chaud, c'est un peu fou mais... Faire vivre un jour à ce maudit Molière, l'enfer. Je passe mes jours à travailler, le théâtre dans le plus grand secret. Je passe mes nuits à espérer que Jean-Baptiste
Je ne dis plus rien, Jean-Baptiste. Armande, tu peux être fière, tu vas devenir la belle fille du grand Molière. Belle, peut-être, mais fille, pas vraiment. C'est plutôt ma mère qui devient la belle-mère de Molière. Ah oui, si ta mère devient la belle-mère, alors toi tu es la fille de la belle-mère. Et donc la belle-fille. Mais pas du tout. Si elle est la fille de la belle-mère, elle est donc la belle-sœur. Mais elle ne peut pas être la belle-sœur si sa mère est l'épouse de Jean-Baptiste. Non mais si je ne suis ni la belle-fille, ni la belle-sœur, et encore moins la belle-mère, qui suis-je? Alors là, aucune idée. Ok, ok, ok. Ah merde, ils l'ont brisé, c'est ma fille. Armand ne sera pas ma belle-fille, mais mon épouse. Jean-Baptiste, tu n'as jamais aimé vraiment. Et qu'est-ce que tu sais de mes sentiments? Je sais que le seul homme que tu as réellement aimé est mon père. Et comme cette liaison vous était interdite, tu t'es tournée vers le grand Molière. D'accord. D'accord, j'accepte ta colère. Car je sais que j'ai failli à mon rôle de mère. Si tu es sûre de tes sentiments, alors... Ce jeune homme faisait-il aussi quelques caresses? Oh, tant! Il me prenait, et les mains, et les bras, et de me les baiser, il n'était jamais là! C'est quoi, Flora? Ne vous a-t-il point pris, Agnès? Quelque autre chose? Il m'a... Rédigé un passé à l'attention de sa majesté, dans lequel j'ai clairement démontré que sa propre fille qu'il a épousée. Non, comment avez-vous fait? Dans la vie curée m'a procuré. Sans aucune ambiguïté, que je n'ai aucun lien de parenté avec la femme que j'ai épousée. Votre Majesté, ne vous laissez pas abuser. Un peu moins fort. Et Conti, faites savoir à vos amis du Saint-Sacrement que Molière bénéficie de toute ma confiance et mon soutien, que désormais... Doute et ma ferveur est telle. Par excès de zèle, de vous faire autre mal, je n'eus jamais dessein, et j'aurais bien plus tôt. Dans la pièce, c'est ainsi notifié. Et toute représentation interdite. Sa Majesté m'a traité sans aucun égard. Il m'a pas adressé un seul mot, pas un seul regard. Pourtant, je lui ai donné ma confiance en espérant bénéficier de sa bienveillance. Je me suis livré à lui en implorant sa clémence. Je nécessite de plaider ma cause en toute innocence. C'est notre foyer. Attends. Si je t'ai délaissé, c'est parce que Tartuffe m'a beaucoup accaparé. Mais j'en vais terminer la rédaction du nouveau livre. Signorina, madame, vous illuminez Versailles de votre célestien beau. Alors, frérot, tu disais que ton Tartuffe, c'était de la balle. Pourtant, t'en as fait voilou, un cache que dalle. Eh bien, justement, votre Altesse, j'ai réécrit une nouvelle version de Tartuffe. What? What have you done? You have changed your Tartuffe totally? Encore et toujours ce terrible temps de tomber.
C'est fini. Et j'ai trop de trucs à dire. J'espère que Loa va sortir. Loa, s'il te plaît, viens nous voir. Du coup, là, les gars, j'ai conclure cette vidéo. Du coup, c'était trop bien. Loa, elle était trop belle. J'ai trop aimé le spectacle. Oui, j'ai beaucoup parlé de Loa parce que je suis fan de Loa. Et enfin, oui, j'aime bien la comédie musicale et tout. Franchement, au début, j'avais trop peur de pas beaucoup voir Loa et tout parce que j'avouerais que je suis venue pour elle. Au final, elle est passée juste à côté de moi. Mon cœur, il a boum boum. Et du coup, non, je suis pas allée la voir, mais je vous expliquerai ça ailleurs. Ou si vous me demandez, enfin, on verra ça plus tard. Enfin, je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi. Mais de toute façon, je pense pas qu'elle soit sortie. Mais moi, j'espère. Du coup, là, je suis bloquée à Aulnay, là où j'étais allée voir Loa la dernière fois, pour entrer. Puisque du coup, pas problème sur nous. Et du coup, vraiment, c'était vraiment bien. Donc, si vous hésitez à aller voir et que après ce que vous avez vu, vous avez envie d'aller voir, allez. Allez, sachez que moi je sais que je vais retourner, je vous dis pas quand, sinon c'est parole. Mais si vous m'avez sur Insta, vous savez. Bref, gros bisous. Et à demain, parce que. Hey, cette vidéo sur le jour de mon anniversaire.